T'en aides. Il est venu pour nous tuer. Il est là. Il est là. Il est là. Aidez-moi. Aidez-moi. Protégez votre empereur. Moi, Néron, Augustus Germanicus, vous ordonne de protéger votre empereur. Severus, à moi! Expose ça à l'endroit le plus haut que tu pourras. Quand les barbares le verront, ils s'enfuiront. Et la victoire sera à nous. Et un groupe de catapultes. Seuls quelques ennemis ont réussi à franchir les murs du palais. Il est là! Aidez-moi! Je vous l'ordonne! Mon empereur, l'ennemi a percé les défenses du palais. Je n'ai que faire de ces barbares! C'est lui qui m'inquiète! Nous devons vous conduire en lieu sûr. En lieu sûr? Il n'y a aucun lieu qui échappe à ce Nous démon! Nous devons vous mettre à l'abri. Dans vos appartements? Mes appartements? Non, non! La cave! Suivez-moi! Par ici, vite! Allez! Oh, allez! Allez! Oui! Voilà! C'est ça! Vite! Damoclès est revenu d'entre les morts. Je l'ai vu. Damoclès. Damoclès est un mythe. Seuls les hommes tuent les hommes, mon empereur. Les dieux nous guident, certes. Mais jamais ils n'interfèrent dans les affaires des mortels. Ah oui? Et quel oracle vous a dit ça, général? Mon père. Nous sommes en sécurité ici. Enfin, du moins, je l'espère. Je prie les dieux pour qu'ils nous sauvent. Ah, nous sommes en sécurité ici, mon empereur.
Autant que faire se peut. En sécurité. Oui, c'est vrai, grâce aux dieux. Mais dites-moi, quel est votre nom, soldat ? Marius. Mais mon nom est sans importance. Seule mon histoire compte. Mon père m'a appris que les dieux déterminent notre destin, mais que nous restons libres de nos actes. Votre destin était d'être empereur, le mien d'être soldat. Le sens de l'honneur de mon père l'a poussé à servir le peuple. Mais nous, qu'est-ce qui nous a conduits sur ce chemin ? Qu'est-ce qui a fait de nous les hommes que nous sommes ? Mon histoire commence il y a une dizaine d'années. Père. Marius ? C'est bon de te revoir. Alors de quoi ai-je l'air ? Regarde-moi, un vrai soldat romain. Tu as l'air en forme, mon fils. Sois le bienvenu. Bienvenue chez toi. Sais-tu où on va t'envoyer ? En Alexandrie. Ah, l'Alexandrie, c'est une province paisible. Ta mère sera ravie. Je n'ai pas rejoint l'armée pour musarder au soleil, père. Je vais me battre, comme toi, pour l'Empire. Chaque chose en son temps, mon fils. Il faut être patient. Et n'oublie pas, tous tes ennemis ne sont pas sur le champ de bataille. Père ? Marius ! Oh. Laisse-moi te regarder. Oh. Comme tu es beau. Mère, je t'en prie. Ta sœur a hâte de te voir. Ils se verront bien assez tôt, mon amour. Pour l'instant, je dois m'entretenir avec mon fils. Bien. Je vous laisse. Je vais chercher ta sœur. Quelque chose ne va pas, père ? Chaque chose en son temps. Pour l'instant, montre-moi ce que tu as appris. Je suis à la fois triste et fier. Aujourd'hui, le fils a battu le père. Tu sais manier l'épée, c'est vrai. Mais ne la brandis pas à la face du monde. Commence toujours par te présenter paume ouverte. Viens, marchons. Le bruit court que la situation à Rome est des plus instables. Oui, nous vivons une période de troubles. Ces élections pourraient tout changer. Je te remets à mon tour ce que ton grand-père m'avait autrefois remis. Quand l'heure sera venue pour toi de commander des hommes, rappelle-toi ce que je vais te dire. La légende raconte que Damoclès était un grand guerrier. Un chef vénéré par son armée. Lors d'une bataille, ses commandants l'abandonnèrent à son sort. Quand Damoclès arriva aux enfers, Némésis, déesse de la vengeance, fut prise d'une rage folle en apprenant le triste sort qu'on avait réservé à ce héros. Elle permit donc à Damoclès de regagner le monde des vivants sous la forme d'un esprit vengeur, un centurion fantôme en armure noire qui n'aurait de repos qu'après avoir poursuivi et tué tous les généraux qui l'avaient trahi. Aujourd'hui encore, de nombreux commandants portent une dague au fourreau ornée de l'image de Damoclès. Cette arme est là pour leur rappeler de toujours veiller sur leurs hommes, s'ils ne veulent pas que le centurion à l'armure noire vienne un jour venger
les victimes de leur égoïsme. Septima ! Les barbares ! Suis-moi ! Écoute, ils veulent notre peau, Marius. Il faut aller au Sénat pour sauver les miens. Rien que toi et moi. Allez. Par là, c'est la voie de ton destin. Cours. Ils arrivent, Marius. Ils sont après nous. Sauvez Rome! Sauve-la de... Sauve Rome, Marius! Barbare! Espèce de sale chien galeux! J'accomplirai ta volonté, père. Je sauverai Rome des barbares. Je ferai couler leur sang. Je suis le commandant Vitalion de la 14e.
J'ai combattu aux côtés de ton père. S'il faut verser le sang, je te promets qu'ensemble, nous en ferons couler des torrents. T'es dans la deuxième, n'est-ce pas ? Oui, commandant. Plus maintenant. Bienvenue dans la 14e, soldat. Vitalion se chargea de terminer ma formation et tint sa promesse. En tant que soldat de la 14e, j'allais faire couler bien du sang. L'île de Bretagne, ce repère fétide aux confins de l'Empire, était la patrie des chiens qui avaient massacré ma famille et fomenté la rébellion qui grondait à Rome. Mon transfert dans la 14e Légion allait me permettre de gagner ces terres, où j'allais pouvoir prendre ma revanche et écraser l'insurrection. Désolé, l'ami. Si nous n'abattons pas cette tour, la flotte sera détruite. On rassemble ce qui reste de la 14e, et on s'occupe de la tour. À la tour! Écoutez-le! Sans Marius, on serait tous morts!
En avant! Nous sommes presque à la tour! Formation! Avec moi! Levez, bouclier! Continuez! Bouclier! Baissez! Le grand bouclier! Allez, plus vite! Bouclier! Tenez bon! Romain, on se replie! On se replie! Déployez-vous! Nous allons détruire cette tour! En avant! Soulevez le contrepoids! Je vais monter pour dégager les traces! Allez-y! Vite!
Commandant! De bons officiers, de bons soldats sont morts aujourd'hui. Marius, tu as prouvé que tu pouvais commander. Tu as gagné le respect de ces hommes. Alors, prends ce casque et porte-le. Légionnaire! Saluez votre nouveau centurion! Très bien, ça suffit! Du calme, soldat! Bien! Maintenant, vous savez de quoi ces barbares sont capables! Ces sales chiens sont prêts à tout pour nous anéantir! Mais ils oublient à qui ils ont affaire. Rome, c'est la civilisation. Rome, c'est l'ordre. C'est la puissance. Et ensemble, nous sommes Rome. Commandant, le roi Oswald et ses barbares marchent sur York. Le général Commodus et la 6e cohorte ont attaqué l'ennemi. Mais nous n'avons aucune nouvelle. Sécurisez les derniers navires et déchargez-les. Que les hommes se tiennent prêts. Nous marchons sur York! Notre marche vers le nord et le cœur de la rébellion fut brutale. Notre progression était retardée par des escarmouches sanglantes avec les tribus vindicatives. Rome avait apporté paix, richesse et prospérité à ces îles. La rébellion avait fait voler tout cela en éclats. Mais enfin, nous y étions. Nous approchions du berceau de cette révolte, fief du roi Oswald et de sa fille guerrière. Des éclaireurs m'ont fait savoir qu'une grande armée de barbares approchait. S'ils réussissent à rejoindre cette armée, nous n'aurons aucune chance. York sera perdu. Par les dieux, ces barbares hirsutes sont 20 fois plus nombreux que nous. Nos pertes seraient énormes si nous les attaquions de front. Vous n'allez pas attaquer. Leur chef, le roi Oswald et sa fille Boudica sont là-bas avec eux. Si nous le capturons, les chefs de tribu devront déposer les armes pour obtenir sa libération. Alors Oswald devra s'agenouiller devant Rome et lui prêter serment. Ces barbares ont un code de l'honneur qui leur est propre. Ils n'ont aucun honneur. Ces chiens osent défier la puissance de Rome. Ils méritent de subir notre châtiment. Notre châtiment ? Ou le tien ? Commandant ! Assez ! Nous allons mater cette rébellion à ma façon. Sans exposer ces braves soldats à des risques inutiles. Est-ce que c'est clair, centurion ? Très clair, commandant. Parfait. Un petit groupe d'hommes va infiltrer le camp ennemi et capturer Oswald et Boudica. Je vais mener le gros de nos troupes et intercepter leurs renforts. Et quels sont mes ordres ? Je t'ai promis du sang, tu te souviens ? Tu vas capturer Oswald et Boudica. Mais avant de faire avancer tes hommes, tu devras éliminer tous les archers postés sur l'aqueduc. Tu commenceras donc tout seul. Je suis à vos ordres. C'est un honneur.
mon Dieu. Quel destin est-ce là? Mourir exilé ou pris au piège? Ça devait être la quatrième légion. Légion approche. Positionne tes archers au bord de la route. Et préparez-vous à tirer à mon commandement. À vos ordres. Je dois pouvoir monter par là.
dieux. Nous nous battons pour la gloire de Rome. Mais où est la gloire ici? Les Bretons n'accepteront jamais la paix si nous les traitons ainsi. Ce doit être l'œuvre des Prétoriens. Je vous présente Basilius, le fils de l'empereur. Commandant Vitalian, vous arrivez à point nommé, bravo. Quelques instants plus tard, et vous auriez manqué les réjouissances. J'espère que votre voyage n'a pas été trop difficile. Sire, permettez-moi... Ma garde prétorienne va prendre la relève. Garde, occupez-vous du barbare. Sire, je m'élève contre... Vous l'ignoreriez. Nous sommes toujours sans nouvelles de mon frère Commodus. J'ai bien l'intention de découvrir ce que ces sauvages lui ont fait. Nous, les Bretons, vivions en paix sous le règne du vieux chef romain. Mais ce nouveau chef Commodus, fils de votre empereur, est abject. Il mérite réellement son sort. Je n'ai rien d'autre à dire. Eh bien voilà qui prouve que Bretons et Romains n'aiment pas de la même manière. Votre fille. C'est une vraie beauté. Fouettez-la jusqu'à ce qu'il parle ou qu'elle meure. Advienne que pourra. Non ! Comment ? Posez-vous ! Comment osez-vous ? Je fais ce que bon me semble. Pas ça! Non! Pitié! Pas ça! Je vais tout vous dire! Nous avons livré le chef Commodus au roi des contrées du Nord. Par-delà le mur. Pitié! Relâchez ma fille! Je vous en supplie! Voyez, c'est le seul langage que ces barbares comprennent. Le langage de la force. Vous trouverez votre chef dans les sombres contrées par-delà le mur. Là où les montagnes désolées plongent dans les lacs obscurs et sans fond. Des êtres d'un autre âge hantent ce pays, et parmi ceux qui s'y aventurent, peu reviennent. Commandant Vitalion, j'ai une mission pour vous. Conduisez vos hommes au nord vers ces montagnes désolées. Et ramenez mon frère. Garde, enfermez les prisonniers. Prépare les hommes! Vous entendez le commandant? Préparez-vous à marcher! Centurion, nous partons au nord. À vos ordres! Vitalion mena nos forces au nord, par-delà les frontières de l'Empire. Aux confins du monde. Nous affrontâmes des guerriers mi-hommes, mi-bêtes, tellement redoutables que même les légions d'élite romaine n'avaient pu les soumettre. Les paroles d'Oswald nous revenaient à mesure que nous nous enfoncions dans l'obscurité. Des êtres d'un autre âge hantent ce pays, et parmi ceux qui s'y aventurent, peu reviennent. Le fort de Glott. On raconte que ce sont les portes de l'enfer, un lieu lugubre plongé dans des flammes éternelles. Je crains que ce qui se passe ici, aux confins du monde, touche bientôt le cœur de l'Empire. Nous allons sauver Commodus. Il construit ces géants d'osier pour les sacrifices importants. Il doit donc être par là. Nous attaquerons à la faveur de la nuit. Vous entendez ? Ce n'est rien.
par ici. C'est un cerf. Juste un cerf. Je crois qu'on nous observe. S'ils veulent se battre, pourquoi ils ne viennent pas se battre? Allez! Tais-toi! De quoi as-tu peur? On est des Romains, de la 14e! Lève-toi, fils de Rome. Ton empire a besoin de toi. Sauve-le. Je dois trouver mes hommes. Que les dieux aient pitié de nous. Avec moi. Les autres, à droite, et attendez mon signal. Compris.
vaincra. Non ! Non ! Une ligne. Gardez la porte. Je vais chercher Vitalion. Prenez le bélier! Détruisez le géant d'osier! Plus loin que ce que l'on voit. Beau travail, Marius. Soldat ! Soldat ! Ne restez pas planté là, espèce de bon à rien ! Faites-moi sortir ! Faites-moi sortir immédiatement ! Je suppose qu'il s'agit de notre noble chef, le général Commodus. Oui, le fils de l'empereur. Faites-moi sortir, bande d'abrutis ! C'est un ordre ! C'est avec toi. À toi l'honneur, centurion. À vos ordres. Dépêche ! Viens là, espèce de crétin ! Donne-moi ta cape ! Donne-moi ta cape !
nous marchâmes sur York. Commodus était sauf, et Oswald prêt à accepter la paix. Je priais les dieux pour que cet insupportable bain de sang cesse enfin, et que mes hommes et moi puissions enfin regagner Rome. Je commençais à comprendre pourquoi le commandant Vitalion mettait en doute le bien fondé de cette campagne. Combien de soldats étaient morts pour cette soi-disant victoire? Pour ma part, j'avais fait couler bien assez de sang. Gouverneur, j'amène devant vous Oswald, le roi des Bretons. Il a renoncé à la rébellion. Il accepte l'autorité de Rome, et désormais, il se battra pour maintenir la paix entre nos deux peuples. Seigneur Commodus, je demande simplement que mon peuple soit traité justement, en toute équité. Afin que nous puissions tous vivre en paix. Afin que nous puissions tous vivre en paix. Le traité de paix de Rome. La paix de l'empereur. La volonté de l'empereur! Que le roi pose son sceau sur ce parchemin, et nous pourrons tous quitter cette île maudite. Votre empereur, mon père, est vraiment sage et juste. Voici le sceau de l'empereur. Il représente sa volonté et la puissance de Rome. Viens. Embrasse-moi. Roi Oswald, voilà ta paix. Non ! Comment oses-tu ? Espèce de chien galeux ! De quel droit ? Tu vois ce qui se passe quand on me défie. Personne ne me défie. Ce ne sont pas les barbares qui ont tué mon père. C'est l'empereur. Sauve Rome, Marius. Allez ! À genoux, chien ! Qu'est-ce que vous attendez ? J'ai dit à genoux ! Ce n'est pas le moment, Boudica. Mon père est un dieu! Je suis un dieu! Obéissez-moi!
comme vous obéissez aux dieux! Conduisez-nous au bord! Vitalion! Je t'ordonne d'écraser ces chiens de rebelles! Et surtout n'épargne personne! Vous allez le payer très cher! Nous tuerons chaque homme, chaque femme et chaque enfant! Et nous cracherons sur vos tombes! Renforcez les murs! Repoussez-les! Vite! Fermez les portes! Il ne faut surtout pas que leurs troupes entrent! Compris? Je vais rester ici. Occupez-vous des murs! Marius, nous devons gagner du temps. Tu dois empêcher l'ennemi de tirer le plus longtemps possible. Nous devons emmener tous les civils au port. Arrange-toi comme tu peux. Je te rejoindrai au palais de justice. Allez! Archers! En position! Faites pleuvoir les flèches à mon signal! Je n'ai jamais rien vu de tel. Soldats! La bataille sera féroce! Ils veulent nous massacrer! S'emparer de tout ce que nous possédons et aimons! Et ne laisser que des ruines derrière eux! Qu'ils viennent! Et nous verrons s'ils se passent plus fort! Archers! Tirez! Baliste! Angle d'élévation faible! Courte portée! Visez les tours et les soldats! Restez près des remparts! Éclairez à tous les terres! Repoussez-les! Les barbares poussent le mur! Ça, c'est trop à cheval! Arrière en point de mission! Poussez-moi! Ces gens au navire! À vos ordres! Beaucoup trop de sang a coulé. Beaucoup trop. Vitalion a ordonné le repli. Nous devons aller au palais de justice. Centurion! Nous sommes coincés. C'est maintenant une heure. Leurs archers nous servent. Ces barbares refusent de lâcher prise. Avec moi, soldats! Ils vont goûter à la force de nos boucliers! Au tranchant de nos lames! Boucliers! Donnez le testudo! Boucliers! Gardez la formation! Les pilotes! Vous, rassemblez les survivants et repliez-vous. Les autres, sécurisez le pont pour la retraite. Je vais retrouver Vitalion au palais de justice. Soldats barricadés, c'est entré. Vous devez vous préparer pour le prochain assaut. Marius, viens, suis-moi. Nous allons peut-être pouvoir obtenir un répit. York est perdu. Nous devons essayer de sauver le plus d'hommes possible. Le fleuve,
est notre seule issue. Nous les aurons à Rome, à bord du navire de guerre. Il est capable de soutenir toutes les attaques lancées par les barbares. Non, ils devront embarquer sur les autres navires. Commodus et sa garde ont fui à bord du navire de guerre. Ils ont été les premiers à quitter le port, en jetant femmes et enfants par-dessus bord. Quel est l'état de nos défenses, soldats ? Nous sommes coupés de tous les quartiers et nous essayons de tenir les ponts, mais la plupart des nôtres ont été évacués. Bien. Quand tous nos hommes seront à l'abri, nous évacuerons sur le dernier navire. Compris ? À vos ordres ! Marius, par ici. Il faut absolument en informer le Sénat. Commodus devra D'accord. payer pour ce qu'il a fait. Prends le commandement, Marius. Va chercher nos hommes sur le pont et ramène-les vivants. Je vais superviser l'évacuation. Repliez-vous ! Préparez-vous à évacuer ! Le palais de justice est pris d'assaut ! Rejoignez les navires, vite ! Vous n'irez nulle part, tout cela ! Damoclès était un grand guerrier. Il était admiré par toute son armée. Mais ses méprisables généraux l'abandonnèrent. Némésis, déesse de la vengeance, permit donc à Damoclès de regagner le monde des vivants sous la forme d'un esprit vengeur. Un centurion en armure noire qui n'aurait de repos qu'après avoir chassé et tué tous les généraux qui l'avaient trahi. Damoclès. Oh.
Marius Titus, tu es un général de Rome. Je t'ai fait venir pour me protéger de Damoclès. Mais tu es Damoclès! Les dieux me viennent en aide! Tu es Damoclès! Oui, en effet. Et mon histoire touche presque à sa fin. Je n'avais plus qu'un seul but. Un seul et unique désir. Le désir de vengeance. Me venger de l'empereur Néron, qui avait massacré ma famille. Me venger de ses fils méprisables, qui avaient décimé ma légion! Pour accomplir cette vengeance, il me fallait revenir aux origines. Retourner chez moi. Le chemin du retour vers Rome fut pavé d'embûches. Le mal dont souffrait la Bretagne s'était répandu dans cette ville. Des réfugiés affamés se pressaient sur les routes pour échapper à la torture et à la misère, fuyant une Rome autrefois libre. Le chaos avait remplacé l'ordre. Mon seul but désormais était de regagner Rome et de mettre un terme à cette folie. Je devais empêcher Néron de détruire la ville que j'aimais et la rendre au peuple. Pourquoi? Pourquoi? Par les dieux, pourquoi? Tu vois, Marius, ce n'est pas toujours dans des contrées lointaines que nous attendent nos pires ennemis. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père était un héros de l'Empire. Ton père était un grand général et un sénateur apprécié. Trop apprécié, peut-être. L'Empereur est un homme jaloux. Et mesquin. A vécu au service de Rome. L'empereur Néron ne vit que pour Néron. Il veut le pouvoir pour le pouvoir. Il se prend pour un dieu. Un vent glacé du nord a murmuré des mots perfides à l'oreille de l'empereur. Ton père et ses compatriotes voulaient rendre Rome au peuple. Alors Néron les a fait assassiner. Après tout, c'est ce que font les empereurs. Il a partagé le fruit de sa cupidité entre ses deux fils, Basilius et Commodus. Il leur a confié des pouvoirs et des responsabilités dont ils ne sont aucunement dignes. Rome a abandonné ses enfants, Marius. Tu es une pièce maîtresse dans le camp des hommes. Et tu as, comme nous tous, un vrai rôle à jouer. Damoclès, l'esprit de la vengeance. L'avenir de l'Empire est entre tes mains. Sauve Rome.
Sauve Rome, Marius. Je devais participer au tournoi de l'Empereur. Un seul homme pouvait m'y faire entrer. Je lui rendis donc visite. Damoclès ? Je suis venu pour le tournoi. Ah ! Tu es un gladiateur ! Oh ! L'armure mythique est une très bonne idée. C'est assez... Seuls les meilleurs guerriers participent au tournoi. Voyons si tu te bats aussi bien que tu t'habilles. Tu veux te battre pour ton empereur? Je vais honorer ta demande. Voici ton parchemin d'entrée. Ne l'égare pas. Tu fais de la violence une forme d'art. Pour ma part, je m'exprime différemment. Voici quelques-unes de mes dernières œuvres. Je viens d'y apporter les derniers... enjolivement. C'est un cadeau pour mon père, l'Empereur. Une pièce tout à fait remarquable, si je puis me permettre. Elle renferme une petite surprise. Un compartiment dans la tête lui permet de verser des larmes de vin blanc, symbole de son immense amour pour l'Empire. Mais on peut aussi y mettre tout autre chose. N'importe quoi. Mmh.
Du sang. Partout du sang. Des montagnes grises font tomber le Sénat. Les rues de Rome seront rouges. Rouges de sang. Je t'ai vu dans mes songes. Libère-moi si tu souhaites connaître ton avenir. Toi, le héros déchu de Rome. L'esprit de la vengeance. Damoclès sera tué par le grand général Marius. Et ce général sera tué par Damoclès. Mais l'empereur Néron ne pourra mourir que par sa propre épée. Tu ne peux pas le tuer. Commodus était le suivant. Ici, dans le Colisée, il recréait pour le public ses grandes victoires et s'en attribuait les honneurs. J'allais gagner le droit de l'affronter et débarrasser Rome de ce poison. J'allais obtenir ma vengeance. Du rivage grouillant de barbares, le grand Commodus, irascible, se lança à la conquête de leur fort impie. Commodus
marcha ensuite dans la forêt, repère des traîtres bretons, pour défaire seul le roi Oswald et sa redoutable fille. Les Bretons envoyèrent leurs plus féroces guerriers. Ils pensaient pouvoir arrêter l'indomptable Commodus, un redoutable barbare, assoiffé de sang comme vous n'en avez jamais vu. Défier l'Empire. Je suis le plus grand général que Rome et son peuple aient jamais connu. Aujourd'hui, vous avez eu l'honneur, oui, l'honneur d'assister au massacre de tous les gladiateurs qui vont affronter. Ces gladiateurs, autrefois craints et adulés, gisent maintenant sous vos yeux. Et c'est moi, votre général, votre sauveur, qui les ai tués. Aquilo, je dois t'avouer que je suis très inquiet. Pourquoi donc, mon empereur? Ce Damoclès s'est battu comme un lion toute la journée. Il ne semble même pas fatigué. Votre fils ne risque rien. Je me fiche de ce qui peut arriver à cet abruti. Je crains pour ma bourse. J'ai parié une fortune sur sa victoire. Je ferai ce qu'il faut. Votre bourse ne craint rien. Or, n'est votre abruti de... fils. Ton général ! Ton sauveur ! Ton dieu ! Dis que tu protèges Rome. Qui
te protégera de moi. Tu vis tes dernières heures, espèce de chien galeux. Sois maudit! Ne suis-je pas le plus grand! Silence! Allez, Damoclès, viens te venger! Ici, c'est moi, Commodus, non, imbécile! Je suis Commodus! Je suis Commodus! Le spectacle est terminé, Damoclès! Lui ! Ce poison, je ne peux pas prendre de risque, Damoclès. Je sais que tu comprends. Je suis immortel, certes, mais la foule est tellement volage. Un coup de toi et ma réponse. Tu es un homme mort, Commodus. Je ne connais qu'un homme capable de se battre ainsi. Nous allons finir ce que ton père a commencé, Marius. Allez, il faut sortir d'ici.
Le Sénat n'est constitué que de vieux couards qui n'écoutent ni la vérité, ni la raison. Je les ai avertis pour les Bretons, mais en vain. Commodus occupe les légions à ne rien faire, tandis que la gigantesque armée barbare envahit l'Empire et sème le chaos en approchant de Rome. Les Bretons ? Oui. Et leur armée a décuplé. Tous les opposants à Rome l'ont rallié. Même les tribus des contrées lointaines ont envoyé leurs gigantesques bêtes de guerre. L'empereur et Commodus se sont fait des ennemis. Tellement d'ennemis. Dans tout l'Empire, ces barbares savent combien Rome est affaiblie par le règne de Néron. Ils viennent nous détruire. Détruire l'Empire. Puisque Commodus est mort, ils vont me demander de le remplacer. Et j'aurai besoin de mes meilleurs hommes pour pouvoir défendre Rome. Quand j'ai compris que c'était toi dans l'arène, j'ai préparé ça. L'empereur doit mourir. Et il mourra. Mais avant, il faut sauver Rome. J'ai besoin de toi, Marius. Bats-toi pour ton père. Bats-toi pour ta légion. Bats-toi pour Rome. Boudica, dont le sort avait autrefois reposé entre mes mains, dirigeait à présent une armée forte de milliers de tribus. Et leurs gigantesques bêtes de siège étaient à nos portes. Tous les maux de l'Empire étaient rassemblés dans la capitale. Nous devons tous répondre de nos actes, Néron. Mais c'est le peuple de Rome qui s'apprête à payer pour les tiens. Ah, Boudica. Ton ennemi n'est pas Rome, mais bien Néron, qui a fait assassiner nos pères. Et nous obtiendrons vengeance. Mais si l'Empire de Rome venait à tomber, le monde serait plongé dans le chaos. La civilisation serait détruite. Je ne peux pas te laisser faire ça. Nous devons les contenir. Feu à volonté ! Je vais mener la contre-attaque, j'ai besoin de tous les hommes disponibles. Non ! C'est moi qui vais la lancer ! C'est du suicide. Je ne vais quand même pas te laisser récolter tous les honnêtes. Ah !
sécuriser cette zone. Je cours rejoindre notre commandant. Rome ne tombera pas. Ne vous arrêtez pas. Marius, fils de Rome, lève-toi. Il n'est pas trop tard. Ton destin t'attend. Regardez autour. Comment pourrais-je sauver Rome? C'est la fin. Ne perds pas de temps à arracher les pétales. Coupe la tête. Général, on ne les retiendra plus longtemps. Boudica. Général ? Général, j'ignore combien de temps nous tiendrons. Les dieux sont contre nous. Nous devons... battre en retraite ? Fuir ? C'est pour me dire ça que tu es venu ? Que tu as abandonné tes hommes. Les dieux nous ont choisis. Et tu voudrais fuir. Je devrais te tuer moi-même. Tu fais honte à tes hommes. Tu fais honte à ton général. Tu fais honte à Rome. Je te le jure, Centurion. Rome ne tombera pas. Pas aujourd'hui. Nous battrons. Dis à ce qui reste de la 6e Légion de venir renforcer le flanc ouest, que la 5e quitte la vieille ville et fasse pareil. Je vais repousser l'ennemi devant le palais avec ce qui reste de la 14e. Vite ! À vos ordres ! La ligne de front résistera. Même si je dois la tenir moi-même. Par ici, Général ! Les forces de Boudica ont envahi le Forum. Quels sont vos ordres ? Il faut éliminer la garde rapprochée de Boudica et la tuer! Voilà Boudica, Général! Sur l'éléphant! Elle essaie de percer les défenses du palais! De quelle artillerie disposons-nous? Il y a un scorpion sur la corniche, Général! Attention! Un autre éléphant de guerre! Thank you.
Te revoilà, Romain. Cette fois, tu te rendras ou tu le paieras. Et te laisser détruire Rome ? Jamais ! Il ne peut y avoir qu'un vainqueur. Et je ne te laisserai pas me priver de ma victoire. Nous ne sommes pas si différents, toi et moi. Le destin a fait de nous des ennemis. Mais dans une autre vie... Dans une autre vie, peut-être. Pas dans celle-là. Non. Pas dans celle-là. Vas-y, Romain. Vas-y. Centurion Severus, à moi! Expose ça à l'endroit le plus élevé que tu trouveras. Les barbares sont furants à sa vue. La victoire sera à nous. Puisque tu n'es pas là pour me protéger, que veux-tu? Tu as fait assassiner ma famille. Rome est en ruine par ta faute. Tout ce qui s'est passé... ces morts inutiles... c'est ta jalousie, ton orgueil... et ton arrogance qui en sont la cause. Attends! Aurais-tu oublié la prophétie de l'oracle? L'empereur Néron ne pourra mourir que par sa propre épée. Je suis le seul à pouvoir me tuer, tu l'as dit toi-même. Les dieux t'en voudraient! Et donne-moi ta dague, général. Que ma mort soit celle d'un empereur. Même si ma vie ne l'a pas été. Tu m'as dit que vous aviez vaincu les barbares. Donc? Ce ne sont pas eux derrière cette porte! Ce sont mes prétoriens! Garde! Garde! Damoclès est ici! Il veut me tuer! Protégez-moi! Marius, cher Marius. As-tu la moindre idée de tous les ennuis que tu m'as causés? Sais-tu tout le mal que je me suis donné pour mettre tout cela en place? C'est simple.
pour détruire Rome et cette ridicule notion de civilisation. Marius, attention ! Vous, mortels, avez vos jeux. Nous avons les nôtres. Mais il y a des règles. Oh. Rome finit par panser ses blessures, et sa civilisation fleurit de plus belle. Sauvée par un héros méconnu, la ville devait perdurer des milliers d'années.
Et il en serait ainsi jusqu'au dernier jour des hommes.